Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons deux groupes d'invités ce matin. D'abord, l'actualité, comme on sait, c'est cette menace qui plane sur Haïti avec le passage du cyclone Irma, qui est déjà de catégorie 5. Les nouvelles, comme on l'a dit en titre, ne sont pas bonnes et c'est un cyclone qui s'annonce déjà très, très dangereux selon les spécialistes. Alors, un peu plus tard, on accueillera Rudy Victor qui très certainement nous apportera des informations précises à propos de ce cyclone Irma. Il doit y avoir un colloque international en géosciences. Pendant 3 jours, et des spécialistes vont se rencontrer en Haïti les 6, 7 et 8 septembre pour parler séisme, pour parler géosciences. Et justement, pour nous faire une idée, nous accueillons, dans un premier temps, le professeur et l'ingénieur géologue Dominique Boisson. Monsieur Boisson, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, effectivement, pour parler de ce colloque qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre à l'hôtel Le Plaza à Port-au-Prince. La première question, pourquoi ou encore quelle est l'opportunité d'un colloque international en géosciences en Haïti aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois dire que c'est un colloque qui est prévu de longue date parce qu'il clôture un projet de renforcement institutionnel au niveau de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Ça n'a aucun rapport avec le séisme de samedi dernier? Aucun rapport, c'est quelque chose qui avait été planifié il y a 5 ans. C'est une coïncidence? C'est une coïncidence totale. Mmh. En réalité, ce colloque devait se tenir en septembre de l'année 2017, depuis une longue date. Donc, il était programmé déjà, et quand il y a eu ce petit séisme au niveau du plateau central. Mmh. Enfin, donc, petit séisme qui a ému beaucoup de monde. C'est vrai que pour nous, c'est une surprise dans la mesure où ce n'est pas une zone réputée très sismique, mais il faut savoir que le pays n'est pas totalement connu du point de vue des failles, d'une part, et que c'est un pays qui est en pleine déformation. Donc, ça ne serait pas en soi totalement étonnant qu'on ait ce genre de manifestation au niveau de n'importe quelle partie du pays, d'ailleurs. Alors, un colloque international en géosciences, ça implique quoi? Quelles sont donc les personnes concernées? Bon, d'abord, il faut savoir que quand je vous parle de ce projet-là, il s'agissait de renforcer une unité que nous avons formée à la Faculté des sciences, qui s'appelle l'unité de recherche en géosciences, qui se veut être le réceptacle de tous les chercheurs qui sont dans ce domaine. Ils ne sont pas si nombreux qui travaillent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés au plus haut niveau après le séisme, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et qui ont fait des recherches. Et il s'agit quelque part de dynamiser ce mouvement et d'avoir de plus que possible des échanges avec des collègues étrangers pour faire le point sur nos recherches et avancer dans le domaine des géorisques notamment. Mmh. Alors les géorisques, ça couvre bien sûr la partie sismique, mais pas seulement. Vous avez tous les problèmes de construction parasismique sur la nature du sol, les effondrements, les glissements de terrain. Tous ces phénomènes sont des géorisques. Mmh. Et le pays, malheureusement, est très exposé aux géorisques. Mmh. Alors, ce que l'on aurait aimé savoir, Monsieur Boisson, puisque nous parlons de géosciences, dans l'état actuel des recherches ou des études, où est-ce que l'on en est exactement avec les prévisions? Bon, en termes... Ou encore,
la possibilité de voilà. prévision. Voilà. Donc, quand on parle de prévision, je pense qu'on se réfère vraiment à un des géorisques, le risque sismique. Mm-hmm. Et là, le grand mot n'est pas prévision, c'est prévention. Mm-hmm. Parce que prévoir les séismes voudrait dire qu'on serait capable de déterminer dans une fenêtre donnée à quel moment on peut avoir un type d'événement, donc mm-hmm. une secousse plus ou moins grande. Ceci, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On peut cependant savoir quelles sont les zones qui sont les plus exposées. Alors, en faisant un certain nombre de travaux, je vous donne un exemple. Il y a des travaux qui sont faits depuis un certain temps, notamment avec le Bureau des Mines, et qui continuent au niveau de la Faculté des Sciences, qui consistent à mesurer les déplacements au long des failles. Quand on a une idée de ces déplacements, de la vitesse des déplacements, on peut prévoir, on peut dire quelles sont les failles qui sont les plus susceptibles mm-hmm. d'enregistrer un séisme. Mm-hmm. Maintenant, ça n'empêche que les autres peuvent aussi donner des séismes. Mm-hmm. C'est la question que j'allais vous poser, surtout que ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire que la Terre a beaucoup tremblé de façon perceptible. Autrement dit, on a enregistré de nombreux petits séismes, notamment dans la région des Nippes. Alors, la question, est-ce que ces petits tremblements de terre, ces petits séismes, pourraient, à la limite, provoquer de grands séismes, comme c'était le cas de celui qu'on a enregistré avant-hier, qui était quand même, quoi que vous disiez, c'est un petit séisme, mais quand même, ça s'est passé dans le centre, mais ressenti dans trois départements du pays. Oui, c'est vrai que, vous savez, quand les séismes, quand ils se produisent, on peut les ressentir différemment, dépendant de l'endroit où on se trouve, non pas seulement par la distance, mais par la nature du sol. Mm-hmm. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans le plateau central et la réponse à Port-au-Prince. Il y a des gens qui, dans certains quartiers de la capitale, l'ont ressenti et ont même paniqué. Et mm-hmm. alors qu'il y a d'autres quartiers où ça a été à peine perceptible, mm-hmm. ceci est dû à la nature du sol qui va répercuter les vibrations de façon différente. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse trouver ça dans différents rapports maintenant, rapport entre les premiers, les premiers qui étaient très petits, disons même faibles, et ceux qu'on alors, a enregistrés. Ce sont deux failles très différentes. Quand on parle des NIP, les NIP, il faut savoir, il y a une histoire sismique, et je dirais, assez active. Mm-hmm. Quand on repasse, Lensavo a été plusieurs fois victime de séisme, et ceci va en mer. Il y a des études que nous avons faites depuis les années 80, il y a des études qui montrent qu'il y a une faille en mer qui est susceptible qui est active. Donc, mm-hmm. les NIP, c'est une zone qui est particulièrement menacée, qu'il faut absolument qu'il y ait de plus de prévention possible, que ce que je dis par là, éducation, de disposition de renforcement des bâtiments, des choses de ce genre. Alors, avant de terminer, le colloque débute demain. Il y aura beaucoup d'experts étrangers, locaux, nationaux, à y prendre part. Oui, nous prévoyons un peu. Il y a programmé une 36 communications, dont une dizaine seront faites par des experts étrangers et le reste par des Haïtiens, notamment les jeunes. Parce que pour nous, c'est ce qui est crucial, c'est d'avoir cette nouvelle génération de chercheurs. Parce que jusque-là, jusqu'au séisme, je dois dire qu'on avait très peu de monde qui était intéressé ou qui travaillait dans le domaine des géosciences. Merci infiniment. Ce sera où à l'hôtel Le Plaza, Champ de Mars. À l'hôtel Le Plaza, le 6-7-8, en espérant que le cyclone, qui est un autre géorisque, ne gâche la fête. Il ne viendra pas perturber l'ordre des choses. Merci Dominique Boisson, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau pour annoncer la tenue de ce colloque à l'hôtel Le Plaza, demain au Champ de Mars, et ce qui durera donc 3 jours. Les 6, 7 et 8 septembre, et ceci de 9h AM à 5h PM. J'imagine que les étudiants, les étudiants sont surtout les principaux concernés. Les étudiants et les spécialistes, oui, bien sûr. Mais aussi la société civile. Donc, naturellement, nous avons invité aussi des membres de la société civile à participer. Donc, enfin bon.
Oui. Merci encore une fois. Et Dominique Boisson, je rappelle que vous êtes professeur et ingénieur géologue. Et merci d'avoir accepté de passer à Métropole pour nous parler. Alors, et de la géologie à la météorologie, on accueillera après la pause notre météorologue Rudy Victor qui nous parlera du cyclone attendu. Et bon, pas attendu, mais du cyclone qui passera sur le, qui pourra passer sur le pays. Et on parle, on estime qu'il est déjà de catégorie 5. 5. 5, vous y connaissez apparemment. Bon, comme un petit peu tous les Haïtiens qui sont soumis au cyclone. Donc on sait qu'il s'agit de cyclones extrêmement dangereux, puisque mm-hmm. avec des vitesses de vent qui excèdent les 300 km par heure, on a, oui. bon, il y a quelque chose. Alors, toute la question sera de savoir, et là je pense que le spécialiste pourra, c'est quelle sera la vraie trajectoire, parce que jusqu'à présent, il y a encore des doutes. Oui, il y a encore des doutes. Ce n'est pas comme les sciences exactes. Ça, non, les sciences naturelles, ce n'est pas comme les sciences exactes. Merci encore une fois. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ne quittez pas, dans un instant, Rudy Victor sera avec nous pour nous parler de cette dame qui s'appelle Irma. Cette dame qui n'est pas attendue. Et son arrivée n'est pas... pas souhaitable, mais apparemment, elle viendra quand même et elle tentera de s'imposer. À tout de suite, madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. L'atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui gagnons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous gagnons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là, jeudi à même dans MSC Plus sous route tabac numéro 44 parce que m'dou dans MSC Plus c'est plus pour moins. Avec l'agent cash Banque Mobile BNCA, Boussou c'est téléphone mobile ou. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou à renflouer compte en toute sécurité. Avec l'agent cash Boussou c'est téléphone ou. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile ou sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec téléphone mobile ou. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que transaction réussie. Avec l'agent cash, ou qu'a acheté qu'à n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile ou. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'agent cash sous téléphone mobile ou, c'est une autre facilité BNC poté pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'agent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller qu'à n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours marcher avec téléphone mobile ou. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'agent cash ou café patron, payer un salaire sous téléphone mobile ou. Tout businessman capable d'utiliser l'agent cash pour faciliter le business ou marcher plus bien. L'agent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole et en deuxième partie, Rudy Victor est avec nous. Rudy, bonjour, merci d'accepter, j'allais dire de faire le sacrifice, mais non, mais... Et merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendel, bonjour auditeurs et téléspectateurs de Métropole, bien sûr. Je l'ai dit il y a quelques instants, les nouvelles ne sont pas réjouissantes, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. S'il a parlé de Irma, qui n'est pas bienvenue quand même.
Définitivement, cyclone Bajan, bienvenue, quand tout mauvais temps Wendel. Et tout hier soir, nous avons regardé l'évolution du cyclone. Non? Et nous avons déjà dit, bien avant ça, que les prévisions de NHC étaient conservateurs, parce que nous avons prévu la catégorie 4, nous n'avons pas aucune raison que le cyclone soit pas catégorie 5. Effectivement, matin, il m'a passé en catégorie 5. Et pas n'importe quelle catégorie 5. Gros catégorie 5 avec des vents de 175 000 à l'heure. Et pendant que je suis dans le studio, je suis regardé un radio son, son instrument qui est un avion chasseur cyclone, il a lagué. Et là, c'était presque des vents de 180 000 à l'heure, près de la surface. Il m'a continué à intensifier toujours. On s'est dit que je vais arriver rapidement en radio. Image tout montrer que sommet nuage, température nuage, on t'y j'en réchauffé. Ça veut dire que ça, en général, c'est un signe précurseur que le cyclone va passer par un cycle de remplacement de l'air salier. Lorsqu'on situe un cyclone, il y a un noyau central, dense, côté toute coactivité. Et puis, autour de la nourriture, c'est quand vous avez des sirop en rouler autour de Banza. L'air s'arrive, ça arrive à l'autre noyau développé autour de premier. Et bien, qui tout fait, qui empêche de respirer, et ça, c'est qu'on a perdu une petite force. Mais le deuxième noyau, il est contracté, il prend place l'autre là, et bien, laisse arriver, c'est qu'on a recommencé à intensifier. Mais pendant temps, ça a tout, c'est qu'on a augmenté, c'est ça qui a privé la Kounia. Et ça qui concerne Haïti, donc, nous en bas de l'eau, nous en bas vent quand même. Bon, condition avec mon cyclone qui a passé tout près comme ça, il y a problématique pour le pays, parce que nous n'avons pas sûr de trajectoire exacte là, parce que à 3 jours à peu près, ça met tout, et l'opre 100 trajectoires là qui prévient, il y a n'importe qui 100 km au sud ou au nord de côté au prévoir pour heure la passer. Donc nous n'avons pas quelques petits doutes parce que impact capable même, si par exemple le cyclone est monté sur Porto Rico, République Dominicaine, là on connaît la paix du force. Mais s'il passe au nord de Porto Rico, les 8 sous la mer, la kembe toute force, parce que les conditions devant Irma, il n'y a rien pour empêcher de continuer à vivre, mais qu'il y a une intensité au minimum. Donc, tu as continué cette situation, mais nous avons un danger qui menace particulièrement la région septentrionale pour aller sous l'image. Oui, en tout cas, invité les spectateurs à suivre ensemble avec nous l'image et sous évolution Irma. Donc, on suit qui j'en sais présenter. Et dans le moment que nous parlons là. Dans le moment que nous parlons là. Ok, première image que nous regardons là, c'est. Vous regardez, il y a plusieurs couleurs, ça indique vitesse avec direction. Mais un petit point de bagaille qui est presque dans la image, c'est avion. Ça, c'est trajectoire avion, ok, passage avion à l'intérieur du cyclone. Dans la mi-temps, black. Côté quoi qui tourne voilà ces yeux cyclone là. Mm-hmm. OK, donc ça ni montre route cyclone nous fait route avion en fait en dans cyclone là pour prendre toute information. Chaque couleur correspond avec vitesse vent gon échelle en bas. Plus on va vers la droite, c'est plus intensité vent au fort. On remarque que bon tourne quoi ces yeux cyclone là couleur et à bon extrême droite là. Donc vent extrêmement fort un cyclone comme ça. Je pense que le dernier cyclone qui a affecté l'île sous le vent, c'était David qui a une intensité pareille, c'est David en 1979. Mm-hmm. Mais le vent David était 160 000 à l'heure, ça a 175 pour le moins. Mm-hmm. Donc, c'est un bagage catastrophique qui peut affecter la zone ça, et dans moins de 24 heures. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la première image que vous expliquez. Nous avons une autre image toujours que nous sommes capables de. Quelle autre image là? Bon. Je vais avoir une deuxième image là. Alors, pour la deuxième image là, même qui va permettre de nous comprendre mieux la situation. Exactement. Nous espérer. Alors, on y va pour la deuxième image. Ça me tape tout à l'heure. On a dit que vous regardez l'image là. Bon, mais la méchante demoiselle qui s'approche, qui approche le bâtiment antillo, ou après Haïti à gauche, ou après, justement, ça me tape pas l'eau là, ou est circularité, ou est un système de circulaire, couleur ou est qui a montré, c'est ça où les bandes nourricières, c'est ça qui a alimenté, c'est le vent qui a alimenté, qui a vu dans le sens des aiguilles du monde, qui peut alimenter perturbation. Chaque fois où on sait qu'on a avancé, puis devant, ouais, il y a une petite couleur vers ça qui représente l'activité là, puis à l'orage. Ça veut dire que devant les conditions favorables pour l'intensifier. Sous parole, ça veut dire que devant, il y a la casse sec, car on a un facteur qui empêchait que l'activité de l'orage de développer devant. Donc, il n'y a pas bon cyclone. Mais là, où déjà, ouais, que devant, il y a une condition favorable pour continuer à intensifier ou bien qu'il y ait une force. On regarde les yeux et couleur qui palette blanche, c'est côté activité de l'orage là, puis vent au plus important dans le cyclone. Non? Et ça, quand j'ai inquiété moi personnellement, c'est que la trajectoire officielle centre des ouragans Miami, et le bon côté, parce qu'il m'a déplacé vers l'ouest, tout droit.
mais il suppose vivre et monter, c'est que le poco amorce ce virage là. Plus il prend le temps pour l'amorcer ce virage là, c'est plus la trajectoire là qui rapproche de nous. Mm-hmm. Donc c'est ça qui m'ont dit inquiété, il parle très important pour nous suivre parce que nous connaissons prochaine 12 heures de temps, il a commencé voulait amorcer ce virage avec virage vers le nord, vers le nord, vers le ouest, nord-ouest. Donc il a attendre l'autre image pour nous gagner pour nous montrer plus en détail samedi. Mm-hmm. Et en attendant que bah, l'autre image là que alors nous c'était ça fait rapidement, mais où dis-nous que depuis devant cyclone libre, ça veut dire que pas gagné Cap Campbell. Si vous regardez sous image satellite, par exemple image infrarouge là, image visible là, où est que devant cyclone là, ou pas ouais, aucune activité l'orage là. Nous partons au troisième non, là. Okay. Par contre, si vous voulez répondre à la question tout à l'heure. Ok. Nous partons sur troisième image. Ok. Là. Sans pas bon trop de détails techniques, image de droite là, soit image radar à partir qui peut à partir de avion. Avion chasseur cyclone qui est dans cyclone. Ou okay? Mm-hmm. Après, très circulaire, ça alors, veut dire alors, que. Alors, d'abord, je vais expliquer nos questions avion, ça, oui. Je vais tout nous souligner. Mais là, où son image, c'est photo que l'avion prend. Ça, c'est radar. L'image de droite, là, c'est une image radar. Avion qui est dans cyclone, bon, image radar. Ouais, j'en dans noyau compact, circulaire, yeux à bien circulaire, clair. Mm-hmm. Et l'image de gauche, là, bon, bah, top détail technique, son image microwave. Ou image couleur rouge, c'est noir et aussi circulaire à côté de l'activité. Là, puis l'orage qui est extraordinaire dans le cyclone. Regardez les yeux circulaires, tout noir, presque pas de nuages là-dedans. C'est une carte de bagarre apocalyptique qui a passé en bas de bagarre sous la mer. Probablement des vagues extraordinaires, des vents. Parce que nous avons regardé encore, et rafale, par exemple, il y a des rafales de 215 000 par heure. Ce n'est pas extraordinaire. On va parler de Mathieu. Avant Mathieu, c'était 140, 145 000 à l'heure. Ou un cyclone de 100, avec des vents de 175, presque 180, puis des rafales de 215. Wendell, c'est son bagage apocalyptique. Puis il y a eu un monde qui n'a pas alarmé ou non? Non, non pas alarmé. Nous avons dit que ça a passé couignant sous la mer à côté de Yomaï et menace qui vient sous l'île sous le vent. Ouais, c'est là qu'il peut le passer à soi. Parce que nous-mêmes, nous avons deux ou trois jours, puis là, il y a quand il est passé. Les cas, à cause de cycle naturel, les fronts faiblis ou même monter ce poteau, il perd du force. Mais pour le moment, nous dans la zone, il soulève, ok? Nous savons, il y a un bagage terrible qui va arriver sur la ça fait longtemps que ça va arriver. Ça arrive, parce que David, dans la zone, ça a été tué en pile monde. Il y a un peu de 60 personnes qui sont mortes, 54 personnes qui sont mortes, la Dominique. Et il y a plusieurs personnes qui sont mortes là-dedans, les David qui passent. Soit cyclone de presque même niveau qui va arriver sur là. Et les gens sont plus ou moins organisés? Ils sont organisés, mais quand on cyclone de catégorie 5, Wendell, et qui ne marche pas trop vite, mon cher, il y a des dégâts. Il y a des précautions pour éviter sauver, pour éviter que les gens mourent, bien sûr, mais les dégâts matériels, les cyclones de catégorie 5, sont inévitables. Il y a des dégâts structurels, si vous marchez doucement comme ça, ou pas. On passe vos quatrième image là. Et... Ça, c'est trajectoire officielle. Sans désouagam à Amiens, hein, à 8h matin en position liée. Well, tu as supposé commencer à virer vers l'ouest, nord-ouest. Poco sur l'image satellite, nous avons regardé juste avant d'entrer dans ce studio là, nous avons viré monter ça. Donc, ça va être étonné, trajectoire NHC à fond, si déplacé. Par exemple, regardez sous tête l'île d'Haïti, côté du Zuata, supposé à 2h du matin, vendredi. Ça va être étonné, par exemple, qu'on est dans le bulletin 11h, que légèrement plus bas. Légèrement plus bas, ce qui t'a mis un petit peu proche de côté. C'est ça, suspect, mais pas aucune garantie que ça pouvait vivre. Il y a craqué les mêmes trajectoires là. Alors, ouais, que il y a une bonne position, par exemple, bon Puerto Rico, à 2h de l'après-midi, mercredi, et puis justement au nord d'Haïti, à 2h du matin, vendredi. Ça, c'est position Zuya. Et pas oublier, on regarde un cône. Quand on voit qu'on est là, okay, c'est pour les prévisions à 3 jours. Ça veut dire que Zuya a n'importe qui côté à l'intérieur de Kouna. Lika sous l'île d'Haïti, lika jusqu'au nord tout, presque à l'extérieur des Bahamas. Ça veut dire que c'est le cône d'incertitude. Pour ses positions moyennes, ça veut dire lika n'importe qui côté. Lika sous République Dominicaine, lika sous Bahamas. Et ça va obliger à continuer à suivre l'évolution de la perturbation parce qu'il y a un petit déplacement de Zuya via la gauche ou via la droite, qui veut dire un paquet de bagages. Parce que les compacts, vent de cyclone, vent maximum samedi, il n'y a pas étant, il y a une grosse distance de yeux. Ça veut dire que n'importe quel déplacement de yeux vers la droite ou vers la gauche, ça veut dire une catastrophe pour un pays, par exemple. Mm-hmm. Par exemple, pour Porto Rico, si yeux arrêtés sous trajectoire officielle NHTA, ce n'est pas trop problème dans le sens. Il n'y a pas bien vent catastrophique. Mais s'il est légèrement glissé vers le sud, Porto Rico, il y a un gros problème. Mm-hmm. Ok, donc ça c'est quatrième image là. Avant nous essayer de commenter cinquième image là, nous devons comprendre que menace plus réelle aujourd'hui en là
pour quelques pays oui. avant Haïti. Bien sûr, il a mort de 24 de Il Vierge. Donc, pas de grandes modifications qu'a faites avant que l'atteigne le pays. Ça. On va parler de structure cyclone. Non? Oui. Pas de, même s'ils font un petit baisser, quand on probablement pour qu'il passe par le cycle, il a perdu un petit force, mais Gomba est arrivé à Wendel. Là, il a passé par le cycle, Gomba est arrivé. Champ vent, on dit que vent, tempête là, t'es soufflé, enfin, il est arrivé jusqu'à 200 km, 200 km. Là, il a passé par le cycle, vent a augmenté à 250 à 300. Donc, le cyclone a grandi. C'est ça que prévoit. Au fur et à mesure que l'on avance vers l'ouest, il va grossir. Il va grandir. Pas nécessairement en force, mais sous size, sous dimension, sous champ. Par exemple, lorsqu'on a passé, c'est une question toujours posée, pour qui ça côte sud toujours plus affecté que côte nord. Il y a deux raisons. Une raison plus importante, c'est la structure au cyclone. Lorsqu'on a déplacé façade nord, li, face nord au cyclone, 20 ous, pas oublier 20 ous, faisant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que là, dans le même sens avec déplacement, donc vitesse sur ajoutée. Mais la partie sud, la partie qui a supposé affecter le côté nord pays d'Haïti, vent beaucoup moins fort, il y a une tendance sur moins de distance, parce que vent souffle dans le sens inverse du déplacement, donc il y a soustrait, donc vent est moins important, et quand c'est là, puis généralement moins important. Bah. Là, c'est la probabilité que les pays qui sont sur route, Irma, puissent recevoir vent de tempête, ça veut dire des vents supérieurs à 63 km/h. Là, on va regarder par exemple, jeudi, le côté nord pays d'Haïti, pour dépasser 60% de chance pour une vente tempête qui souffle sous lui. Jeudi. Non, pas jeudi. Jeudi. Jeudi avant jeudi. OK? Il y a plus que 60% de chance. Oui, mais c'est différentes couleurs. Qui ça va traduire? Différentes couleurs, c'est probabilité. Parce que moi, en mauve, moi. OK. On commence à presque 0 à 5% de couleur vert foncé. Et puis, on vous montre au fur et à mesure. L'autre est la couleur qui est marron. Là, où il y a une probabilité qui dépasse 40 à 50%. Plus ou moins les certes celui-là c'est couleur foncée puis foncée dans mi-temps et là ouais c'est la chance presque pratiquement 100%. Ça c'est pour vent tempête, ce qui veut dire que il y a une grosse probabilité pour les gens nord pays à recevoir des vents de tempête. Naturellement Haïti a une histoire particulière, comprend côte nord, comprend côte sud, mais particulièrement côte nord en fonction de, à cause de structure cyclone, de topographie pays à, les vents vont passer si tout passe proche de la République dominicaine, vent en surface à cause de monio, vent aurait tendance à casser. Ou bien de fois, ou pas jouer le vent de manière continue en surface. Mais, ou bien sous forme de rafale. Et là, je par exemple, probabilité ou bien de vent de tempête, mais ou bien de vent de cyclone, mais en rafale. Bon, cyclone, c'est pas avant seulement, il y a l'appui tout. Sous ça, on a regardé là, c'est quantité de l'appui, par exemple, modèle européen, le meilleur modèle jusqu'à présent qui initialise Irma, son modèle numérique de prévision, c'est européen et Ophel. Couleur foncée, on sait qu'il y a plus l'appui. Il est là où ils ont été peut-être pour 24 heures de temps, plus que 125 mm l'appui, pour 24 heures de temps. Ça est valable entre jeudi et vendredi. Ou par exemple, Nord-Ouest PIA, d'après modèle ça, Nord-Ouest PIA, t'as qu'à recevoir plus que 125 mm l'appui entre jeudi 2h et vendredi 2h. Donc, nord-ouest, là, c'est un côté qui puis on regarde le bagage et tout. Bien que côte sud pays a assez loin de trajectoire officielle, là, on regarde des couleurs assez foncées. Vous voyez, à la droite, qui boit quantité la pluie. Nous, les spectateurs n'ont pas carré bien. Mais on avait expliqué que, à cause de circulation vent, pas oublier, un cyclone, et c'est un vent qui alimente 60 de basse pression, une circulation qui peut aller dans les yeux, qui peut aller dans le noir au centre de la portée humidité. Pour nourrir, quand on a besoin de manger, c'est qu'on a besoin de chaleur, qui a besoin d'humidité. Vent, ça va sortir du sud, du sud-ouest, par exemple, puis on remonte vers le nord. En remontant, puis dans ce système-là, il va frapper, bap-coup-bap, avec massif montagneux sud-pays, massif de la Selle, massif de la Haute, et chaîne du nord. Ça a provoqué, ça a eu l'effet de feu. Parce que vent, ça a eu humide, faut qu'il traverse le monde. Donc, il faut remonter ce monde-là. L'air pour remonter, ça crive. C'est de l'air chaud. Et là, monter maintenant, la température va descendre. La température va descendre, on va avoir des condensations, nuage va le former. Le mouvement va continuer, nuage va venir plus net, on va le criver. Et force action, le pape kakem, il pourra goutter de l'eau. Donc la pluie va tomber en pile sur le massif montagneux, sud pays, qui va face au sud. Il y a un risque gros la pluie et peut-être inondation sur les gens. Par exemple, sud-est a risque tout à cause de la circulation du système. C'est ça qu'il y a, mais ça va dépendre beaucoup de trajectoires réelles côté de Babassi. Mais zone, par exemple, j'aime dire, toute façade sud massif montagneux pays, plateau central, pas la donne, non sens. Parce que
l'air ça gagne de l'espace l'air a fini de monter développer le bail l'orage il là puis il a descendre il échauffé la sécher c'est ça qui fait Port-au-Prince souvent quand les cyclones qui passent vers le sud vers le nord Port-au-Prince ouais Port-au-Prince pas un gros appui c'est parce que l'air ça allait monter maintenant la sécher faut que système dans gonec faut le prochain pile pour zone plateau central pour zone Port-au-Prince ouais partie l'ouest département qui gagne l'appui mais il est plus difficile pour Port-au-Prince jouer une qualité gros la puissance c'est pour un système qui compte trajectoire particulière et il bénéficie des conditions particulières pour ça arriver mais j'aime dire là pas qu'à focaliser c'est sur tout pays à focaliser parce que quel est pas qui compte arriver par exemple les Anna par contre sous en 2008 Anna c'est une tempête tropicale minimum qui était beaucoup nord qui tape Dodoméa et pour ce Port-au-Prince il y a des vents assez forts des pieds bois tombés des gens qui étaient morts etc ça dérivé pour qui ça c'est parce que en surface, à cause de la topographie, le vent est cassé. Mais en altitude, le vent a toujours soufflé fort. Quand il y a une activité là, puis l'orage est développé, et là, puis ça va tomber et entraîner l'air qui est en altitude là. Et dans l'air, ça va descendre. Il mixe le momentum, le vent descend, mais en rafale. Donc, quel que soit le côté, il y a un risque, le système tropical va passer. Ça ne faut pas dire c'est telle zone seulement, telle zone pas la zone. Il faut focaliser sur quelques zones, mais il faut toujours tout le monde, tout côté, faire attention, d'autant plus que c'est pas vent. Qui va plus problème, c'est la pluie. Merci, Rudy. Maintenant, on nous passe la phase, c'est une carrière comme ça, phase pratique, question. Combien de départements qui concernaient? Peut-être département, on mettait en rouge, personnellement, c'est la région nord-pays. L'autre dit région nord. Région nord, ça veut dire le nord-est, le nord, le nord-ouest, partie septentrionale, la Tibonite et plateau central, dans une moindre mesure. Ensuite, je mettais tout pour d'autres raisons, le sud-est, le sud et la Grande-Anse. Là, c'est surtout pour la pluie. Si trajectoire officielle là, c'est que l'on accepte, respecte. Mais là, c'est tout le pays, oui, c'est seul l'ouest, on va dire. Oui? Pratiquement. C'est tout le pays. Je n'ai pas raison. Parce que le risque la pluie est important dans la zone région méridionale. Mais vent, la pluie, tout le bagage possible. Sous région septentrionale, j'aime se dire. L'Ouest, par exemple, ou songer le hike, parce que l'analogie plus bon, c'est hike. Hike, t'es une trajectoire. Semblable, il t'est passé à peut-être une centaine de kilomètres de nord là. Rappelons, t'es une bonne nourriture d'hike qui t'a provoqué des inondations, monde qui t'a mouru cabaret, de l'eau t'a beauté, une cinquantaine de monde qui t'a mouru. C'était hike. Parce que à cause de circulation, bonne l'orage sorti sous golfe lagoon, on avait passé cette zone ça. J'ai vu ça, on avait activité l'orage vers 6-7 heures du soir. Sous massif sous chaîne de mateux on me dit ça sont pas terrible qui va arriver parce que ou tu vois que activité ou quand il y a toute situation ça dépend de mon facteur qui le cyclone a prouvé dans journée hein? Est-ce que c'est au petit matin comme c'est probablement le cas ou bien quoi est-ce que c'est après que terre a fini réchauffer la prouvé dans nuit qui énergie cap disponible ça dépend de plusieurs facteurs donc pas faire prévision exacte pour dire que obligé mettre tout le monde faut être actif parce que par contre qui côté on l'orage a développé puis ben un pays problème. Alors ça nous t'a permis de connaître est-ce que pas grand des explications des données fixes précises sûres qu'on capable mais est-ce que n'a commencé ressenti effet dans la soirée du jeudi ou dans la matinée. Dans ce que tu parles d'effet, il y a plusieurs bagages, l'année a son effet tout. L'année a commencé depuis demain, l'année a commencé. Je pense que ce monde sur la tortue de un projet pour traverser sous gros terre plutôt faire le connier. Parce qu'à partir de demain, vague là, mais les cyclones ont monté dans Porto Rico, vague qui a commencé à arriver ici. Les circulations ont fait là, mais à gros déjà. Mais lorsqu'on parle d'effet des vents sur la région septentrionale pays, c'est jeudi, à partir de jeudi. À partir de jeudi soir, on a commencé à sentir effet. Jeudi soir, on a commencé à sentir effet. Mais maintenant, il faut faire très attention à tout. Même si nous n'avons pas dans le champ gros vent cyclone, par exemple, suivant trajectoire officielle là, mais plus on monte sur les hauteurs, situation pas même concernant vent, parce que étant donné que plus on monte, friction a diminué, vent a beaucoup plus fort, il pas en rafale. Si un bon exemple, si on vend 40 000 à l'heure cap souffle dans ville cap haïtien, bon exemple, si on monte citadelle, vent pas 40, ou qu'a gagné vent 60, 70, les quand rafale, il pas pris là constant. C'est un exemple bon. OK. Bon l'autre petit détail que d'après-moi et par contre, si vous bien comprendre l'explication de bail il y a quelques instants ou dit Victor on dit que on partie dans pays qui est supposé concerné par la pluie.
en pile côté dans Bayapo. En pile côté. Donc, tant qu'au sud-est, Grand'Anse, sud, et peut-être Nip aussi. Oui, c'est possible, possible, tout est possible. Et je vais parler de face sud, massif montagneux, presque du sud, à cause de vent. Mais pour nous, on a l'autre facteur. Le cyclone arrivé au bord côte nord, okay? Alors, on a dit entre Haïti et Île-Turque, par exemple, circulation a bien des vents d'ouest qui peuvent entrer, sous, par exemple, sur le canal Laguna, etc. Là, il y a l'orage qui a développé passer dans toute zone. Tout. C'est ça fait que l'on regarde, parce que nous tellement de bagages qui entrent en ligne de compte, on regarde modélisation en pile. Modélisation montre en pile, par exemple, gros l'appui, il y a un risque gros l'appui sur Roland-Tibonite. Et sur bas, nord-ouest, tout, les zones qui sont subies en pile, les Mathieu, il y a un risque en pile pour zone ça. Mais ça que certain, c'est que dans le Grand Nord, c'est après qui ça? Vent surtout, ensuite la pluie. Le tout. Parce qu'on sait qu'on cap passe à 150-160 km du cap d'après trajectoire, si trajectoire ça respecté, parce que le cap pipe et tout, ou qu'il y a un cocktail de tout le bagaille. Mais il faut me dire, Wendell, gon bagaille, dépendant de qui on va parler, si c'est mon cap qui a un risk management, il y a des bagailles qui ont dit, il y a des gens qui ne pas trop connaître de qui ça va parler, ou qui ont mon information, il prend le mal. Mais donner technique, ça, il faut dire quand même, là, un cyclone a passé. Histoire a montré ça. Le cyclone qu'on a passé beaucoup de Nord République Dominicaine, il y a deux bagailles qu'on a fait. Premièrement, ça dit bien, oui, le cyclone n'a pas bien circulation dans les aiguilles autour de yeux. Ça qu'on a fait, partie sud circulation, côté de la sud du sud, il est bloqué par Cordillère Centrale, par Mon Haïti, etc. Quand il y a un cyclone, ça qu'on a fait, c'est qu'on circulation nord là qui ramène le plus près côté de l'île là. Qu'on fait le front de plus près. Avancer plus vers l'ouest, c'est un risque. Ça a toujours été dépendant de à qui distance il vient. Très souvent, c'est qu'on y a, ils mettent là, mais quand ils trappent, ils sont comme si ils étaient prisonniers de zone, ça, un petit moment. C'est un risque. Mais bon bagage dans ça tout, c'est que si on a besoin d'humidité, il a besoin de chaleur pour l'alimenter. Quand il y a une circulation qui a fait que le vent qui a monde, à Central, mon Haïti, les vents qui descendent, le vent est compressé. Il a séché ou il est sec entre la faible partie sud là venir moins là puis dans partie sud cyclone toujours rien ça à tout mais ça c'est en real time c'est la fête par exemple si ou gagne météorologue qui fait real time forecasting faut suivre ça qui a passé en temps réel pour dire mon mettre le bagage on va jamais dire mon gagne moins bagage sorti on va jamais dire ça mais ça arrive souvent le cyclone est passé dans zone ça on voit probabilité et qui chance qui gagne pour cyclone non les affaibli avant l'hiver en Haïti. Wendell, même si c'est qu'on a affaibli, il n'a pas expiré la catégorie 1, à moins qu'il t'a monté sur Porto Rico, ensuite monté sur l'île d'Haïti. Pas expiré ça. Pour qui ça? Qui ça fait un cyclone? Des conditions presque parfaites. De l'eau chaude, dépassé 27 degrés, 26,5 degrés centigrades, pas de pile cisaillement dans l'air, il y a assez humidité dans l'atmosphère, là, sur toute colonne, etc. Pas de pile de sec, d'accord. Cyclone ça, côté LTE, il y a un cisaillement sur l'île. L'eau là mais était chaud mais pas chaud. Quand il y a là côté température là mais 29 degrés, pas bien besoin 26,5, il besoin fait il y a 29 degrés épique. Plus ça va avancer vers bassin Caraïbe là, plus là vient de l'eau chaude. Moins là vient cisaillement, moins cisaillement dans zone là. Ça veut dire il y a un boulevard devant, pas gain cisaillement, de l'eau à chaud, gain humidité. Ça tu vas qui intéressé pour regarder le produit scientifique dans bassin meilleur des Caraïbes là, l'air capsule dans qui va l'entrée là, l'air ça un petit genre plus sec dans partie sud là. C'est qu'on plus c'est quand on dit plus, mais son catégorie 5, il n'est pas bon gros plus. Catégorie 5, c'est top level là. Nous n'avons pas grand pile. Dans le niveau là, nous n'avons pas grand pile cyclone. Atlantique a 17 cyclones seulement comme ça, qui ont des vents de 175 000 à l'heure et plus. Et ça, dans le top niveau, c'était allé dans 80-190. Ça, il y a 17 top niveaux depuis 1851. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Yomai. C'est pas n'importe qui. Donc, là, si nous comprenons, c'est que la probabilité elle est très élevée. Il est très élevée. Et en son échelle. De 0 à 100, ou d'abord 80% ou 90%? Je ne sais pas les chiffres, mais tout indique que la passée, Zia a supposé passer quelque part entre côte nord Haïti et Île-Turque et Kekos. Ça veut dire que la passée assez près des côtes nord. Et matin encore, ouais, que modèle, parce qu'il y a une forme de bagage important. En fait, très souvent, les territoires américains menacés, ils ont déployé la grande artillerie. Non seulement ils vont en avion ou les P3, qui lague une bonne radio sonne tout autour de perturbations sur toute l'île. Il y a un intervention spécial qui fait aux États-Unis même. Dans plein centre des États-Unis, ils ont lâché des radios sonnes hier soir. Ils ont lâché plusieurs radios sonnes pour déterminer exactement
comment couche atmosphère là, parce que on course c'est course ça qui va déterminer suite trajectoire Irma. Et les bagages ça toute base toute donnée ça à jeune modèle yo modélisation vient plus bien modèle tout parce que tout modèle le matin font petit shift ils font déplacer plus vers le sud donc nous gain plus confiance que cyclone ça effectivement la passer côté nous jour la passer qui cap passer plus bas n'a continuer suivre parce que tu as plus jeudi à mardi mercredi jeudi donc avec plus que 48 heures pour voir exactement trajectoire là mais plus minute tu as passé plus tu connais exactement qui ça qui cap passer. Donc, que tout le monde prépare, commencez par mettre effet papier important, mettre en sécurité. Particulièrement dans zone de cité, parce que la différence avec Mathieu était un impact direct. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça, tu es sûr en pile pour Mathieu, etc. Ou t'es averti. Mathieu était un impact direct, Mathieu t'a monté, coupé presque du sud là en deux, avec marée de tempête, etc. Là, on n'a pas de marée de tempête dans la zone, c'est pas important. Ou ap gen onde de tempête qui pas même bagage ça veut dire la mer poil gros la mer poil monter la mer poil sauvage mais on pas gen une onde de tempête si trajectoire la respecter parce que s'il décide de venir descendre sous sud sous nord là son autre bagage cette possibilité là il toujours existé parce que donc les arrêter que au la landol descendre dans pas bon bagage drastique pas aucun condition entre bagage comme ça mais une petite déviation une petite tête parce que ça aurait les wobble. Un cyclone déplacé sur une trajectoire, il n'est pas jamais en ligne droite. C'est zigzagé, après Dieu a fait ça. Dieu a fait ça, il a zigzagé. Il y a le wobble. Dans le wobble, là, il y a un passé beaucoup de nul, il est à 21 degrés, et pour le fond, il wobble, il descend à 20,5. Ça seulement, qui a fait que l'homme a un problème en plus. Ça n'a pas qu'à prévoir. Nous n'avons aucun moyen pour prévoir bagage ça. Ça veut dire qu'un cyclone, surtout de intensité, ça, tu ne joues pas avec ça. Dans l'état, par exemple, nous avons un nul, là, puis, etc. C'est un bagage très inquiétant pour zone nord là en pile parce que nous 70 millimètres là plutôt beaucoup bagage ici on a qui est là on sait qu'on cap passer pour comme ça c'est 150-200 millimètres c'est un bagage impossible. Je souhaite prendre point ça avec ou justement avant de refermer émission quand il y a des pluies qui fait au cap haïtien et là nous constater aéroport inondé machine pas qu'à traverser la rue et là y a un scénario comme ça j'ont annoncé là tu avais dit ville cap-haïtien doit attendre à de sérieuses inondations dans occasion passage Irma son risque avec aussi qu'on capable tout et pas au cap seulement ville port de paix à tout qui inonde les ville pour les batailles inondées, la mer a été envahie une bonne partie de la ville là, ça va arriver et ça plus puissant que avec pas oublier ça. Donc le risque là existait pour toute ville qui est nord là, pas au cap seulement. L'île de la Tortue, on dit le Bram parler de la pipre cyclone toujours. Cela là il parle des vents d'ouragan probablement sur lui, des vents sérieux. Donc c'est toute région. Alors pour plus précision, Ouzi Victor, on ne pas dit auditeur que gain des zones qui a gagné, gain pas gagné pour tout monde pas dit ah attendez, mais le parler des zones ça pas là dans lui même. Donc c'est pas ça on dit. Vous dites tout le monde prend précaution là et mais ça capable passer a gagné dans le grand nord, zone nord là, c'est frappe ça, direct c'est rouge, que vous voulez. Ou dit rouge. Mais attention, sud-est, sud, Nippe, Gandans, il n'y a pas un pile de l'eau. Alors, non, mais pas de vent pour zone ça. Vent ça, aucun gain de vent rafale. Je dis ça parce que un orage qui nous a passé qui associe à bonne nourriture cyclone. Il y a des effets périphériques qui ont provoqué des gros vents. Mais c'est pas des vents qui roulent. Par exemple, marché a passé pendant plusieurs heures d'affilée où il y a des vents extrêmement forts. Non, ou qui ont bonne nourriture qui passe bon gros rafale qui bon gros la pluie. Comme ça tout, on l'autre zone qui a retourné plusieurs heures de gros la pluie. Et puis problème. Donc, même Jean pour nous te faire pour Mathieu, nous te disons que c'est le sud qui est concerné, une partie de l'Antibonite et le nord-ouest. Là, nous disons que c'est une région septentrionale pays. Pour le moment, en fonction de trajectoire, là, c'est le plus concerné. Même par l'eau qu'on y a en tout, région sud, sud-ouest, sud-est pays, à cause de possibilités de gros là, puis de gain. Jusqu'à moment que nous avons parlé là. Jusqu'à moment que nous avons parlé là. Mais prévision, ça, le plus ou moins sûr. Nous avons dit que pour l'instant, c'est ça qui est bien. À partir de quel moment nous avons information qui est plus ou moins, en fait, qui est plus sûre que ça ne vient aujourd'hui hein, par rapport à effet, par rapport à impact cyclone. Je pense que demain dans la journée, on a beaucoup plus certitude sur exactement, mais à quelle distance on a supposé passer de nord là. Et pour effet, nous connaissons un cyclone déjà.
ça va dépendre de trajectoire là. Donc demain, je pense qu'on a bien beaucoup plus d'informations toujours. Mais de plus en plus, tout indique que le cyclone s'est passé, côté nous pensons qu'il a passé. Hein. À quelle distance nous ne pas qu'on est, mais ça, à 100 km, ça ne ça fait pas tout. Ça ne fait pas un peu de différence d'une certaine façon. Mm-hmm. Parce que dans l'état de vulnérabilité, nous avons essayé d'être plus ou moins, mm-hmm. nous avons dit, heureusement, c'est une partie sud de l'année, moins stressé quand ça arrive parce que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs passés. En 1909, il y a plusieurs cyclones qui passent à distance. Là. Il n'y a pas trois qui te manquent. Parce que si vous regardez dans l'histoire, c'est plus cyclones qui passent dans le sud de l'année qui te manquent, tout simplement à cause de frappe directe. Ça, c'est pour une frappe directe. Vous avez des effets indirects de cyclone. Parce que lorsqu'il y a une frappe directe, il faut que vous montez sur le territoire national. Là, ce qui ne sera peut-être pas nécessairement le cas, mais que tu as monté sur la République dominicaine ou même viré descendre. Ce ne sera pas une frappe directe. Mais un cyclone qui a passé pour vous, il était un cyclone qui a passé tout pour vous. En refermé, avec qui mot, avec qui parole? Bon, c'est un cyclone, il faut tout le monde précaution, respecter sa autorité, prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour éviter. Et vous pensez que tout le monde a fait une nouvelle match, ça qui est arrivé, tout le monde qui a fait pêche en pile, a perdu le bateau. Il faut tout retirer le bateau, enfin, quitter le bateau pour la mer, il faut retirer le net parce qu'on perd du bateau. La mer prend le bateau, il va bien me jeter encore. Donc, c'est une pile précaution pour prendre pour. Donc, ça dit que c'est déplacer le bateau, aller loin avec eux. Retirer, oui. Ouais, déjà, prendre le bateau de combat en Floride, il y a Miami, il y a des gens qui ont décrété, alors que vous êtes même sûr vraiment qu'il va frapper direct sur Miami. Vous êtes un maximum de précautions pour connaître qui ça un cyclone qui a fait. Même qui est aussi vulnérable, même si nous avons frappé direct, mais effet périphérique est important. Sous zone ça dans le pays. Donc, on dit que Floride a commencé à mettre bien la patte. Oh, définitivement, définitivement. Parce que un cyclone catégorie 4-5 qui a privé cela, ça fait longtemps que ça va arriver déjà. Donc. On dit Victor, merci infiniment pour toute information ça pour partager avec le public métropole, avec tout le peuple haïtien. Et bon, c'est qui doit prendre l'information ça au sérieux et prendre les mesures qui s'imposent, autorités concernées autour. Bon. Nous espérons que yo a prendre des dispositions pour que pas gagner en pile victime. Tes gros objectifs zéro mort, bon, qui va arriver fait dans le moment dernier cycle qu'on a passé. Donc, pas contre qui souhait. Évidemment, l'autorité a toujours souhaité que y ait moins de monde qui victime, qu'il y ait moins de dégâts tout. Mais j'en parle en là, c'est que type de cyclone ça yo, même si toute disposition là pour pas gagner monde qui mourit a grand pile dégâts quand même étant donné que caill nous pas solide et gens de l'eau passé dans caill question soulevé érosion canaux plus problème non plus c'est ça donc plus problème non oui. Et c'est ça donc et que nécessaire à fait et que pour pas gagner en pile dégâts en tout cas c'est un souhait hein? c'est un souhait faut prier tout Wendel ça compte aussi hein, finalement même prier. Si ils sont scientifiques mais faut oui parce que monsieur ça a fait des débats dernièrement les éclipses ça va le passer nous avons essayé de mélanger ça qui relevait de la foi et la science. Mais on même toujours été croyant ou même ou sont croyants même si qu'on croit dans la science. Bien sûr, je ne pas déranger l'autre monde parce que Dieu sont scientifiques là parce que regarde un cyclone, genre cyclone fonctionner, sont scientifiques celle qui vous fait. Ah oh, OK, ça veut dire bon Dieu qui sont scientifiques pour lui. Bon Dieu qui bon cyclone là. Il a raison parce que c'est un moyen utilisé pour établir des équilibres thermiques qui est sous terre avec trop chaleur gain en polio, trop chaleur gain équateur avec déficit chaleur gain en polio, c'est un moyen il prend chaleur ça, il prend chaleur énergie équatoriale là, il le distribue pour faire un balancement, pour équilibre, même équilibre électrique, tout, avec l'activité de l'orage, le cyclone, tout le bagage. Même si on prend biodiversité, il y a de brassage qui fait, il y a de pollen, c'est comme un proton de l'autre côté. Mais si d'après prier là, qui ça t'a demandé, mon Dieu là? Bon, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui mourit, c'est pour le bagage là. Mais pas qu'à demander pour le faire, c'est qu'on a passé de l'autre côté. Non, c'est qu'on a passé, c'est qu'il y a raison, c'est pas passé côté. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, Dominique Boisson et Rudy Victor. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci Rudy. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. L'atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous êtes arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver,
Carrefour, Frigidaire et Latrier. Dans MSC+, c'est nous qui gagnons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous gagnons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui vaut le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vine fait choix pour là. Jeudi à même dans MSC+. Sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Ak l'agent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé ak yon pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après fouer contour en toute sécurité. Ak l'agent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sous téléphone mobile ou sans qu'elle saute. Mettez l'agent sous contour facile. Allez kay n'importe agent autorisé ak téléphone mobile ou. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a voyé un message pour certifier que transaction réussie. Avec l'agent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile ou. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'agent cash sous téléphone mobile ou, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'agent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'agent cash bon en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours marcher avec téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'agent cash ou café patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'agent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'agent cash, la BNC, à votre portable.